Oh bah, bilan positif, parce que ça fait naviguer. Je crois que c'est l'objectif, c'est de passer du temps en mer. Ça nous a permis en plus de naviguer dans des conditions un peu ventées qu'on n'a pas rencontrées cet automne. Donc c'est bien pour valider un peu tous les choix techniques, vérifier que tout est passé dans le bon sens, tous les cordages sur le bateau, enfin, voilà, essayer toutes les voiles. Donc c'était vraiment sympa. Et puis en plus, sportivement, ça se passe bien. Donc on n'a pas à se plaindre, tous les voyants sont au vert. Et là, il ne reste plus que quelques jours maintenant avant le Vendée Globe. C'est quoi le programme à suivre? Là, aujourd'hui, donc, on finit. On démonte les voiles pour qu'elles partent en dernière révision à la voilerie demain. Après, on va les réinstaller la semaine prochaine. Il va nous rester quelques petites sorties techniques justement pour valider la réinstallation des voiles et quelques opérations de relations publiques au Sable d'Olonne juste avant que les bateaux soient bloqués. Et puis, on y sera, voilà, le 19, dans le port des Sables, en stand-by jusqu'au départ.